match 2 de la finale 2023 entre l'ASVEL et Villeneuve d'Ascq. C'est parti à l'Astroballe. C'est de prendre de vitesse Kubedo. Vers le cercle. Ne se fait pas passer. Ah, c'est difficile, mais regardez, c'est la MVP qui vient montrer les gros bras dans la raquette. Alors, est-ce que ça se passera là avec Alexa Charteroux sur le tir en reculant? Marine Johannes, elle a ouvert la première brèche. Johannes, et ça passe avec du toucher, un angle impossible. Et que ça s'était beaucoup concentré sur ce 3 points. Et là, enfin, on va chercher les paniers prévus. Et là, voilà, la voilà, voilà, mais voilà, bonne idée. Voilà surtout. Allemand, Gruda, à 2 points. Un long 2 points pour Sandrine Gruda. Réclamée de la part de Diallo, le ballon, elle est servie et elle était seule. Elle arrive à prendre le rebond et à conclure. Marine Johannes. Oh! Le contre-violent de la guerrière Jekundadé. On va revoir au combat. Elle est collée à Johannes et la sanction derrière. Proche en défense et à la course. Oh, voilà Kevedo. Passe. Quel passe ça! Le retour, Yosité, l'hésitation. On peut marquer la lucidité de l'ASVEL. Alors, l'ASVEL qui va voir une maille à Hirsch continuer de revenir dans le match. La grosse activité de l'ASVEL, mais pas mal aussi pour Kennedy Burke. Elle a gratté ça avec puissance et détermination. Comment elle a surgi à une vitesse incroyable. Et les efforts de Villeneuve d'Ascq pour revenir à chaque fois. Julia Allemand, elle a fait sauter Jekundadé. Et elle réussit ce tir sur une jambe. Oui, et 11 lancés réussis avec la percussion, la vitesse et puis la main gauche de Julia Allemand juste avant le buzzer. Ça permet à l'ASVEL de contrôler le match pour l'instant. De Gruda pour... c'est facile presque. Qu'est-ce que c'est fort ce qu'elle vient de faire parce qu'elle est loin. Retour du ballon dans les mains de Caroline Herriot qui arrive à trouver la ficelle de revenir à 2 petits points. Julia Allemand. Le premier panier de ce deuxième carton. La lecture de Julia physiquement justement. Ça ressort bien pour Charteroux, elle les aime ceux-là. Et elle le met surtout, Alexa Charteroux. Ça fait 2 paniers de suite. Longue distance pour l'ASVEL. Et tout de suite, Rachid Méziane qui demande temps mort. Caroline Herriot. Oh là là, qui a passé 2 joueuses avec une facilité déconcertante, c'est exceptionnel. Gruda, elle l'a mis tout à l'heure d'ici et ça rentre aussi. Ils s'en sortent très bien. L'ASVEL sur cette situation et ça va rentrer avec Charteroux. Oh, et bonne main, elle va continuer peut-être. Julia Allemand, la pickpocket et en plus elle finit. Gros gros temps fort de l'ASVEL. Et elle va défendre sur Marine Johannes qui dégoupille sur sa défense pourtant autoritaire. Quel shoot! Non, elle a voulu surtout se rattraper un peu. Et ben ça sera pour Smalls qui cette fois arrive à passer. Le pick the picker sauf qu'il est inversé. Et oui, c'était sur une passe inversée aussi de Marine Johannes. La passe régale par 3 fois. Et il est content David Gauthier, il est content, son système est passé. Faut comment le défendre. On va revoir le système travailler à la perfection. Et la voilà, cette passe magique par-dessus la tête. Signé Marine Johannes pour une Gruda prête à shooter. En fait, quand il y a le temps, hein. 4 secondes, fallait trouver une passe à terre, elle le fait. C'est une équipe de l'ASVEL qui réussit tout ce qu'elle tente en ce moment. C'est l'ASVEL qu'on avait vu par moment. Ouais, les guerrières vont devoir être très fortes, à l'image d'une Diaby hein, qui peut rester complètement dans les cordes. Elle veut jouer sur Gruda. Hein. Gruda, elle est active. Elle va enfoncer Diaby sur sa tête. Quel shoot encore de Sandrine Gruda. Parti pendant que Marine Johannes trouve des situations favorables. Qui veut trouver une Marine Johannes qui joue complètement possédée. Oh aïe, 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 aïe. Mais c'est quoi? C'est lunaire. Mais c'est quoi ça? C'est magique. C'est féerique. La fée est sortie à l'Astroballe. Et elle va s'asseoir un petit peu parce qu'elle est trop chaude. Elle risque de brûler même ses coéquipières. Elle est brûlante. Déjà 16 points. 16 points en première mi-temps pour la numéro 23, MJ. Siak. Ouais, avec l'autorité peut-être sur le tir extérieur de Justin Yosité. Yosité. Injouable. De 17 ans, comme son équipe qui s'envole. Plus 19. Et de l'envie sur le parquet de Villeneuve d'Ascq, de l'ASVEL, pardon. Villeneuve d'Ascq dans l'attaque et encore des lancers. Et Lady Burke, le speed. Oh, elles enchaînent et le temps mort est demandé tout de suite par David Gauthier. Gruda, elle veut aller au bout du chrono. Gruda, ça c'est un tir qu'elle affectionne, mais elle revient fort. Oh, la défense, sur Diaby.
Oh bien, dommage. Oh, Burke était à deux doigts. Voler ce ballon. Elle était pas loin et Alexia Charteron en profite. Ah, le shoot, ça sort pas assez vite. C'est le problème de Diaby. Elle va pas sortir sur les pick and roll. Elle veut pas, elle a pas cette capacité. Elle joue les maestros. Marie Johannes. Oh, la bonne passe. Oh, c'est un caviar déposé pour Gruda. Les guerrières dans cette entame de deuxième mi-temps. Burke, le long tir à 3. Gruda ouverte. Gruda sanction. Daniel Salin qui arrive à passer. Oh là là, que c'est fort! Que c'est fort! Blake Dietrich qui se retourne, la bonne pression. Signé Diallo et c'est Yossité qui arrive à effacer beaucoup trop facilement l'adversaire. Elena Siak vers Charteroux. Ça combine et Charteroux qui est obligé de se mettre cette balle. Alexa Charteroux, alors là, si celui-là il rentre. Alors, à un moment on peut pas tout mettre non plus. Et Lasvel qui a confirmé, comme au deuxième carton, qu'elles étaient lancées. Le maillot est désormais retiré au Palacium. Et donc désormais directrice du centre de formation de Lasvel. Alors est-ce qu'elle va retenter sa chance? Oh que c'est fort, 0 degré. Et ce qu'elle est en train de proposer. Elle cherchait le drip dans le dos. Gruda. Ouais, c'est fort, elle a fait le match quasi parfait, Sandrine Gruda. Emma Yahir tranquillement qui va faire une belle prestation. Camia Smalls qui s'est faufilée, elle a vraiment dû toucher cette joueuse. Offensif supplémentaire. Oh, la bonne passe sur Yossité. Elle est bien remise. C'est 10 minutes. Bah, c'est tout parce que défensivement, elles ont fait les efforts. Mais voilà, ça va exploser un moment. Dominique Malonga applaudir ses coéquipières. Et le panier à la réaction. Le 1 remporté face à l'Asvel, qu'elle n'avait plus battu depuis 2 ans. Yossité. On ne peut pas se baisser. Elle va prendre le tir. Caroline Herriot, ça c'est des tirs qu'elle affectionne. Puisqu'on se retrouvera dans cette même salle, hein, pour ceux qui n'avaient pas l'information. Smalls, le drive. Oh là là, ah, ça c'est fort. C'est fort, mais je vous dis... Ah, le dort, c'est toujours chaud. Même s'ils sont pas toujours objectifs. Oh, et ça, c'est pas chaud. Ça, c'est très, très chaud et c'est vilain presque. Janelle Salin qui lance à la course. Myriam Djekounadé. Attention. Caroline Herriot qui va déclencher. Elle revient. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Elle revient. Mais c'est quoi ce match? Il y a 7 points d'avance. Est-ce que ça sera suffisant? Elle a dit stop. Elle a fermé la boutique. Alexia Charteroux. Elle dit à lundi. C'est trop facile. Percer pour lacets, hein, ou les défaire. Oh. Et c'est terminé. Lasvel prend le match 2 et arrache le match 3. On aura bien rendez-vous lundi, ici même à l'Astrobal, pour vibrer encore un peu plus dans ces finales. Ça va être très, très chaud entre Villeneuve d'Ascq et Lasvel.